Ariane Séguillon a été touchée par la Covid-19. Sur son compte Instagram, par l'intermédiaire de sa story, celle qui incarne l'assistante sociale Christelle Moreno dans Demain nous appartient, qui est aussi la mère de Dylan, Jessica et Betty, a donné de ses nouvelles en direct de l'hôpital, où elle séjourne depuis plusieurs jours après avoir contracté le virus. Raison pour laquelle elle est beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Ça s'y estime à tête quand pour la première fois depuis 10 jours je n'aille pas plus de fièvre deux fois de suite et que en plus j'ai vos messages de soutien d'amour, a-t-elle écrit mercredi 10 mars en légende d'une photo d'elle, prise sur son lit d'hôpital, où elle est sous assistance respiratoire. Puis elle a remercié ses camarades de jeu qui ne l'oublient pas durant cette période difficile. Merci mes DNA d'amour, vous me manquez. J'ai hâte de vous retrouver, a-t-elle mis en légende d'une photo d'un clap de la série où il est écrit Big Bisou Ariane. Ariane Séguillon. Son message de prévention quelques jours plus tôt, elle annonçait à ses abonnés que sa santé s'était dégradée. Je vous fais un petit post sans filtre. Je me bats contre le coronavirus depuis 6 jours avec énormément de fièvre, des problèmes respiratoires et CIST vraiment très dur, avait-elle écrit, également dans sa story. Elle en avait alors profité pour faire passer un message de prévention à sa communauté en leur recommandant de faire attention pour ne pas attraper cette vacherie. Et je vais m'en sortir parce que je suis forte mais si est à un moment très difficile. Je vous fais à tous des grosses bises, avait-elle ajouté. Quelques jours avant d'attraper le virus, Ariane Séguillon révélait pour la première fois être atteinte d'une maladie encore taboue, la boulimie.